Amen. If you are happy, you are here. Do the three. Amen. If you are happy, you are here. And you really feel so happy. If you are happy, you are here. Do the three. Amen. Clap your hands unto the Lord, somebody. Hallelujah. Hallelujah. Every time that I wake up and I'm preparing a message, à chaque fois que je me réveille et que je prépare un message, I have a sign that that day you not preach. J'ai un signe que ce jour-là je vais pas prêcher. Hallelujah. Amen. And you see, the messages will be coming. This will be coming. This will be coming. Then I get. Then I tell God, I know today something is going to happen. Et quand c'est comme ça, il y a plusieurs messages, donc il est un peu confus. When we came to church, il dit à Dieu, I told even Mr. Kuma, I said, hey, and then you want some amigo kao. Il dit la même chose au tonton Kuma aujourd'hui, il sait pas ce qu'il va prêcher. Then lo and behold, I saw Mr. and Mrs. Et Pastor Lenos. Hallelujah. Amen. So without spending much time, with a clap offering, let's receive Pastor Lenos to give us the word of God. English. Lynn, viens. Non, Catherine est là. Avec acclamation, ouais. Oh, faut bien acclamer pour Catherine, pour l'encourager. Faut acclamer jusqu'à que Catherine va arriver ici. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Je remercie le Seigneur. Amen. Thank you for this privilege. Je remercie pour ce privilège. That has been given to me to share the word of God. Qui m'a été donné pour donner la parole de Dieu. I don't take it lightly. Je ne le prends pas à la légère. And I'm very grateful to Pastor and the wife. Et je suis très reconnaissant envers le pasteur et sa femme. For this opportunity. Pour cette opportunité. Amen. Amen. Pastor, thank you very much. Pasteur, je te remercie. Can you help me thank him? Clap your hands. Vous pouvez m'aider à remercier le Seigneur. Amen. Amen. Turn with me to the book of Ezekiel, chapter 36, verse 26. Allons sur dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 36, verset 26. Mr. Harvey Minister, I have. How many minutes? Pasteur. 40. All right. Thank you. Amen. Ezekiel chapter 36, verse 26. Je répète. Ezekiel 36, verset 26. A new heart also will I give you, a new spirit will I put within you, and I will take away the stony heart out of your flesh, and I will give you a heart of flesh. Amen. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Amen. Amen. So the heart is the container. Le cœur c'est le contenant. And the spirit is the content. Et l'esprit c'est le contenu. Amen. 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 The heart is the container. Le cœur c'est le contenant. The container. La boîte. La boîte, voilà, dis la boîte. Voilà. Le cœur c'est la boîte. And the spirit. Et l'esprit. Is the content. C'est le contenu. And the two become one. Et les deux deviennent un. What is the heart? Qu'est-ce que le cœur? The heart is the place of resolution. Le cœur c'est une place de résolution. The heart is the place where you resolve in your. Une place où on se. On fait une résolution. On fait une résolution. It's the place of decision. C'est une place où il y a la décision. It's the place you will. C'est une place où il y a la volonté. And when God created man, et quand Dieu a créé l'homme, he took a risk. Il a pris un risque. The risk that he took, le risque qu'il a pris, was to give man his free will.
Le risque qu'il a pris, c'est de donner à l'homme son libre arbitre. Son libre arbitre. Merci. Because man could use that same free will to rise up against God. Parce que l'homme peut utiliser ce libre arbitre contre Dieu. So it was risky. Donc c'est un risque. So God in his wisdom, avec la sagesse de Dieu, he said, I've given you your free will. Il a dit, je vous ai donné votre libre arbitre. Whatever you want to do, tout ce que vous voulez faire, you can do it. Vous pouvez le faire. If you want to die right now, nobody can stop you. Si tu veux mourir maintenant, personne ne peut t'arrêter. If you want to insult me, nobody can stop you. Si tu veux m'insulter, personne ne peut t'arrêter. If you want to slap my sister, no one can stop you. Si vous voulez me gifler, personne ne peut vous arrêter. You can do whatever you want to do. Vous pouvez faire ce que vous voulez. You can resolve in your heart to do whatever you want to do. Tu peux faire tout ce que tu veux. For example, sometimes someone can resolve in his heart that I would be in the orchestra, but I will not play my music. Il y a des gens qui se disent je peux être dans l'orchestre, mais je ne vais pas jouer ma musique. What can the orchestra leader do? Qu'est-ce qu'il peut faire? He can do nothing. Il peut rien faire. He's in the choir, but he's not singing. Oui, il est dans la chorale, mais il le voit pas, il ne chante pas. You can decide not to speak. On peut décider de ne pas parler. Right now. À l'instant. I will say things and you just stand there looking at me. Try that and let's see right now. You can decide not to speak. Je peux décider de ne pas parler. J'ai dit ne pas parler. Parle pas. On est en train de faire un test là. You can decide not to speak. Je peux décider de ne pas parler. J'ai dit ne parle pas. Et là tu parles. You can decide not to speak. My sister, speak. Je peux décider de ne pas parler. Speak. Parle. And you are there because you Parce have que resolved in your heart. Parce que je l'ai voulu dans mon cœur. That as far as this man is concerned, que parce que ce monsieur est concerné, en ce qui concerne ce monsieur, I will never speak to him again. Je vais jamais lui parler. Who can take that decision away from you? Qui peut prendre cette décision? No one can take it away from Personne. You. So you've got to be careful. Donc vous devez faire attention. What is informing your resolutions in your heart? Qu'est-ce qui informe ta résolution dans ton cœur? Because every time you make a resolution Parce in your heart, à chaque fois que vous faites une résolution dans votre cœur, something influences that resolution. Il y a quelque chose qui va influencer cette résolution. Something influences that decision. Quelque chose va influencer cette décision. Life is made of choices and decisions. La vie est faite de choix et de décisions. And all those resolutions, we make it in our heart. Et toutes ces résolutions, on le fait dans nos cœurs. Your resolutions is your success responds to your resolutions. Votre succès répond à vos résolutions. Amen. Amen. You can resolve not to say amen also. Vous pouvez choisir de ne pas dire amen. Amen. So the heart is a very powerful thing. Le cœur est une chose très très puissante. And you have to be careful how to deal with your heart. Vous devez faire attention avec votre cœur. The Bible says that. La Bible dit. Guard your heart. Gardez votre cœur. Gardez votre cœur. For out of it. De tout dégoût. Shall flow the issues of life. Doit traverser les issues de la vie. So the issue of life is a pathway. Donc les issues de la vie sont un chemin. Yes. And there are many pathways. Et il y a plusieurs chemins. So let's say I'm here. Dites, par exemple, je suis là. Okay. I can choose. Je peux choisir. And the word choose is will. Et le mot choisir veut dire volonté. And to choose is also a decision. Et de choisir est une décision. And that decision will determine whether I'm going to take this path, et cette décision va déterminer si je prends la gauche or I will take this path. Ou la droite.
Now, what would influence my decision to take this path or that path? Qu'est-ce qui va influencer ma décision de prendre la droite ou la gauche? It's dependent on the inclination of my heart. Tout ça dépendra de l'inclinaison de mon cœur. Am I preaching? Yeah. When your heart is too much inclined to the left. Si votre cœur est trop incliné vers la gauche. And the Holy Spirit says, "Go to the right." Et le Saint-Esprit dit, allez vers la droite. Tu dis tofia quoi? Tu dis tofia quoi? Jamais de la vie. Ah, jamais de la vie. That means your heart is a stony heart. Ça veut dire votre, vous avez un cœur de pierre. The Holy Spirit can't manage you. Le Saint-Esprit ne peut pas vous gérer. Your heart is too hard. Il est trop. Vous avez un cœur de pierre. God is saying, go to the left. Dieu dit aller à la gauche. But because your heart is inclined to the right. Parce que votre cœur est incliné à la droite. It doesn't want to. C'est là-bas que vous voulez aller. It determines the path you take. Cela détermine le chemin que vous allez prendre. And the path you take determines your destiny. Et le chemin que vous allez prendre détermine votre destinée. Amen. Oh, you can clap for Jesus. So, God says, I want to change your heart from stone, hardened heart. Dieu a dit, je veux changer votre cœur de pierre, hardened heart, à un cœur très dur, to a soft heart, vers un cœur très mou. A heart that is made of flesh. Un cœur qui est fait de chair. That means a sensitive heart. Ça veut dire un cœur sensitif. Your heart sensible. Sensible, pardon. Your heart is sensitive to the promptings of the Holy Spirit. Votre cœur est sensible à la présence du Saint-Esprit. Amen. Impulsion du Saint-Esprit. Au signal. Au signal. Amen. Let me try something. You see, ça fait mal? Ça fait mal? Non. You see, so your flesh is sensitive. Donc ma chair est sensible. That's the meaning. If ça fait pas mal, that means that it's hard. Si cela ne fait mal, ça veut dire c'est dur. You see, those times, those who used to walk barefooted. Ceux qui avaient l'habitude de marcher pieds nus. Your heart, your legs can be so hardened that. Vos jambes peuvent être vos talons sont tellement durs. That you don't feel anything if que you vous ne sentez walk pas on. Les pierres au sol. God wants your heart to be sensitive Dieu to veut his que votre cœur soit sensible. Amen. Amen. Let's carry on. Clap your hands for Jesus. Turn with me to 1 Samuel chapter 13, verse 14. 1 Samuel chapitre 13, verset 14. 1 Samuel 13, verse 14. But now your kingdom shall not continue. The Lord has sought for himself a man after his own heart. Amen. Amen. I've cut it short. Et maintenant, ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple. Amen. Amen. Who made this statement? Help me. Qui a fait ce... Amen. Prophet Samuel. Le prophète Amen. Samuel. To whom did he make this statement? À qui il a fait ce... Oh, pasteur. Pour qui il a écrit cela? To whom did he make this statement? Pour qui il a écrit cela? Roi Saül, n'est-ce pas? Acclamons l'Éternel. So, the kingdom had been taken away from God, from Samuel, from Saul. Le royaume a été pris dans la main de Saul. And he said, "The Lord has sought for himself." Et l'Éternel s'est choisi un homme. Mm-hmm. You have that. Et maintenant ton règne, et l'Éternel s'est choisi. Uh-huh. The Lord has sought for himself a man after his own heart. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Amen. Let's read Acts 13, verse 22. You see the same thing there. Lisons Actes 26, verset 22. Acts 13, verset 22. Acts 13, verse 22. And when he had removed him, he raised up
for them David as king, to whom he also gave this testimony and said, I have found David, the son of Jesse, a man after my own heart, who will do all my will. Amen. Puis l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Amen. Yes. I'm talking about the heart. Je parle du cœur. In these two scriptures, dans ces deux écritures, we see that the scripture, the first one says, the Lord has sought for himself. Dans la première écriture, nous voyons que le Seigneur a cherché. Cherché son cœur. A cherché pour lui-même. Amen. Has sought for himself. Il a cherché pour lui-même. A man after his own heart. Un homme qui a, après son propre cœur. Amen. A man whose heart is in sync with the heart of God. Un homme où son cœur est lié avec le cœur de l'Éternel. A man whose heart is in harmony with the heart of God. Un homme où son cœur est en harmonie avec le cœur du Seigneur. He has sought for himself. Il a vu pour lui-même. So we see that Saul has been removed. On a vu que Saul a été enlevé. And God has raised David. Et Dieu a élevé David. I came to tell you that je veux vous dire, the God we are serving, he can remove one and raise another. Que le Dieu que nous servons, oh, somebody say amen. Que le Dieu que nous servons peut enlever un et le remplacer par un autre. Oh yes. How many people believe that truth? God can remove one and raise another. Dieu peut enlever un et en élever un autre. And for him to do that, pour lui, pour faire cela, there is a selection. C'est le risque de la sélection. Il y a une sélection. Il y a une Amen. Sélection. There is what? A selection. It takes a selection to remove one and raise another. C'est une sélection d'enlever un et de le remplacer par un autre. You cannot raise yourself. Vous pouvez pas vous élever vous-même. If you raise yourself, you will fall down. Si vous vous élevez vous-même, vous allez tomber. But if God raises you, si Dieu vous élève, no man can bring you down. Personne ne peut vous mettre. Somebody say amen. Amen. Si Dieu t'élève, personne ne peut te rabaisser. But there is a selection. C'est une sélection. There is a process. Il y a un processus. And if we talk about selection, si on parle de la sélection, we also talk about criteria for selection. Et on parle de la critère. Des critères de sélection. Pour une sélection, n'est-ce pas? If we talk about selection, si on parle de la sélection, then we talk about requirements. Prérequis. Okay. Des prérequis. Prérequis. Requirements. If you don't have this and you don't have that and you don't have that, you don't have access. You can't pass. No matter what you do, you can't pass. Amen. You see what I mean? Vous voyez ce que je veux dire? Hallelujah. Are you being blessed? Are you being blessed? Amen. Oh, let me hear the amen. Amen. The heart. Le cœur. Is the criteria for selection. C'est les critères de sélection. The heart. Le cœur. Not the talent. Pas le talent. Masatala basataya. I said what? Not the talent. Not your money. Pas votre argent. Otherwise, the rich men will be selected now. Sinon, les gens riches seraient déjà sélectionnés. Not height. Not height. Pas la taille. Otherwise, some of us will never be selected. Not the color of your skin. Pas la couleur de notre peau. Oh, somebody say hallelujah. Amen. God is sovereign. Dieu a. God is sovereign.
Il est souverain. Souverain. And he selects according to his own criteria. Et il sélectionne selon ses critères. And he said it in his word. Et il l'a dit dans ses paroles. He selects after the quality of the heart. Et il sélectionne par rapport aux qualités du cœur. That's why you have to be careful of your heart. C'est pour ça que vous devez faire attention à votre cœur. That you don't allow bitterness to enter the heart. Ne pas laisser l'amertume rentrer dans votre cœur. Saul was a good guy. Saul was a good guy. Saul était un bon monsieur. He started good. C'était un bon. C'était un bon. Il a bien commencé. Amen. Amen. But at a point in time, he allowed jealousy. Mais à un moment, il a autorisé la jalousie to enter the heart. À entrer dans son cœur. Why jealousy? Pourquoi la jalousie? He compared himself to somebody. Parce qu'il s'est comparé à quelqu'un d'autre. He didn't want to thank God for the grace he had. Il a pas voulu remercier le Seigneur pour la grâce qu'il a. That's why in my tree language they say that minyawa e musu, because you are comparing. You don't know the grace you have. Be thankful to who God has made you. Don't start comparing. Il faut pas se comparer aux autres. Amen. Amen. Be thankful for the way God created you. Soyez reconnaissant de la manière à laquelle Dieu vous a créé. Stop comparing. Arrêtez de vous comparer. I'm told a story. Je vous racontais une that histoire. A woman was very happy that the husband was taking her from New York. She was in New York, and the husband was taking her to Colorado. Il y a une femme qui était contente que son mari, elle habitait à New York et son mari la ramène au Colorado. And she was happy, so she went to see her copine. Elle était contente, elle est partie voir sa copine. And said, "Hey, do you know what? My husband is taking me to Colorado." Et tu sais, elle est partie voir sa copine. Elle a dit, "Tu sais quoi, mon homme then me, all dépasse, of a sudden, me déplace de New York au Colorado." And then the other woman said, "Hey, me too. I'm very happy. My husband is taking me to Paris." Et elle, sa copine lui a dit, "Moi aussi, je suis contente. Mon mari me ramène à Paris." All of a sudden, his face chassis. Et son visage a changé. Why is it that when they are celebrating somebody, you are not happy? Pourquoi quand on célèbre une personne, tu n'es pas content? Oh, it is his time now. Let them celebrate him. C'est son moment. Laisse-la célébrer son moment. Your time will also come. Ton temps aussi va arriver. You see, when you are not happy because somebody is being celebrated, then who will celebrate you? Si tu n'es pas content parce que quelqu'un a été célébré, qui va te célébrer? Alléluia. Amen. The quality of your heart. La qualité de ton cœur. Will determine the quality of your decisions. Va déterminer la qualité de tes décisions. You can write it down. The quality of your heart. La qualité de ton cœur. Will determine the quality of your decisions. Va déterminer les qualités de tes décisions. Amen. Amen. Let's carry on. The criteria is the quality of the heart. Les critères sont les qualités du cœur. So let's look at some of the criteria as far as the quality of the heart. Nous allons voir certains des critères. Amen. Amen. Go with me to 1 Corinthians chapter 4. Allons 1 Corinthiens chapitre 4. Verse 1 and 2. Versets 1 à 2. Amen. Amen. 1 Corinthians 4 verse 1 and 2. I have 20 minutes more. 1 Corinthiens 4 verset 1 et 2, vas-y. Ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Mm-hmm. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Amen. Amen. Now, in that scripture, he says, dans cette écriture, il dit, he says that they see us as what? Il dit qu'on nous voit comme des serviteurs. Servants. That's the first thing God is looking for. C'est la première chose que Dieu veut de nous. A servant's heart. Un cœur servant. A servant heart. Un cœur servant. What is servant? Qu'est-ce qu'un serviteur? It's connected to the word service. Il est en connexion avec le mot service. We have come to think that to be a servant or to provide service means you are a slave. On pense que être un serviteur veut dire qu'on est un esclave. No. It's a great thing to be a servant. C'est un honneur d'être un servant. That's the wisdom un of God. C'est une grâce. We are living in a generation where today everybody wants to be the boss. Nous vivons dans une génération où tout le monde veut être un patron. Everybody wants to be the boss. Tout le monde veut être le patron. Nobody wants to be the servant. Personne ne veut être un serviteur. Hey! CEO. Tout le monde va être dans le comité. PDG. Être président. Everybody wants to be the boss.
Tout le monde veut être le patron. But in the wisdom of God. Mais dans la sagesse de Dieu. It's a blessing to be a servant. C'est une bénédiction d'être un serviteur. A servant provides a service. Un serviteur rend un service. And a service makes life easier for the one being served. Le service rend la vie meilleure à celui à qui a été rendu ce service. Amen. Amen. The servant makes life so easy. Le serviteur rend la vie plus facile. So easy for the one being served. Pour à celui qui a été servi. To the extent that. Dans les standards. That when the servant is not there, the man who is being served is not at ease. Oh. Dans le standard que quand la personne qui rend le serviteur n'est pas là, celui-là qui a été servi ne se sent pas bien. I don't know if you understand what I'm talking about. There are people who knows how to serve to the extent that when the servant is not around, the boss is jittery. He's not at ease. Les serviteurs qui savent comment qui servent les personnes quand il n'est pas là, les gens se sentent à part. Très mal à l'aise parce que le serviteur n'est pas là. So tell me, who is the boss here? Donc dites-moi qui est le boss. Who is the boss? It's the servant that is the boss. C'est le serviteur. If the oh, clap your hands for Jesus. When the servant is not around, the boss cannot live. Quand le serviteur n'est pas là, le boss ne peut pas vivre. Due to the quality of the service. Grâce à la qualité du service. Do you know the difference between the first class, the business class, and the economic class? The quality of service. Est-ce que vous savez la différence entre la première classe? Business class et classe économique, c'est la qualité. When you pick up the aeroplane, we are all flying the same aeroplane, no? On vole tous dans le même avion. I thought at first, I thought that those who fly in business class, they were on another aeroplane. No. It's on the same aeroplane. Avant, je pensais que les gens qui étaient en business, ils étaient dans un autre avion, mais on est tous dans le même avion. But you see, the quality of the service determines the class. La qualité du service détermine la classe. So it's the servant that is determining the quality. Hey, mashatayaba. C'est le serviteur qui détermine la qualité. Amen. Amen. N'est-ce pas? On est d'accord, non? On est d'accord. Oui. C'est le serviteur. God is looking for a servant heart from you. Dieu recherche un cœur servant. Don't pour vous, un cœur de serviteur. De serviteur. Never think that when you are a servant, you are a slave. You are not a slave. Ne pensez pas quand vous êtes un serviteur que vous êtes un esclave. Vous n'êtes pas un esclave. You can make yourself the most important servant in the life of a boss. En sorte que vous soyez le meilleur serviteur dans la vie de votre boss. I've heard so many stories. J'ai entendu beaucoup d'histoires. Of a rich man who was going to die. D'un homme riche qui allait mourir. And he decides to give his will to the house girl. Il a voulu tout donner à la bonne de la maison. Because of the quality of the service he received from that person. Parce que grâce à la qualité qu'elle lui a rendu, des services qu'elle lui a rendu. The quality of your service determines how people will miss you when you are not there. La qualité de vos services. Oh yes. Va déterminer. Oh yes. Oh yes. Vous allez manquer aux gens. Hallelujah. Amen. So the mindset of being a boss, everybody wants to be a boss. Everybody is satanic. It's satanic. It's not godly. Le fait de vouloir être patron. Avoir ce mindset d'être patron n'est pas bon, c'est ça. It's like now if you are not a boss, then that means that No. God doesn't work that way. C'est pas parce que maintenant, quand vous voulez être le boss, si vous n'atteignez pas ce point, c'est comme si vous n'avez rien accompli. And in any case, et ça devient une malédiction. In any case, de toute manière. All the companies that we see around, they are providing a service. Oui, de toute manière, toutes les entreprises qui sont là rendent service. Yes. They provide a service. Isn't it? Yeah. Yes. And what makes you choose this company with reference to the other company is the quality of the service that you receive. Qu'est-ce qui vous fait choisir une compagnie à une autre? C'est les services qu'elle rend. Can we give God the best of our service in the house of the Lord? Est-ce que nous pouvons donner le meilleur à Dieu en rendant service? Amen. Est-ce qu'on peut donner le meilleur de nous-mêmes en ce qui concerne notre service à l'Éternel? Do you want to come to the house of the Lord to be served or you want to serve? Est-ce que vous voulez rentrer dans la maison du Seigneur en étant servi ou en rendant service? It's a blessing to be the servant. C'est une bénédiction d'être un serviteur. Amen. 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 And give a quality service. Et donner un service de qualité. Stop praying for promotion.
Arrêtez de prier pour la promotion. Increase the quality of your service. Élevez la qualité de vos services. And promotion will come looking for you. Et la promotion va venir vers vous. Something else. Il a fait quelque chose d'autre. Why? Pourquoi? God requires a heart of obedience. Dieu veut un cœur obéissant. That's a servant's heart. Ça, c'est le cœur du serviteur. So that's the second thing. Ça, c'est la deuxième chose. Let's go to the third thing. Allons and then, voir la troisième chose. And we quickly come into the end of this message. In the verse 2, he says that it is required. Dans le verset 2, du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. What is required of you is a heart of faithfulness. On veut un cœur fidèle. You need a heart of faithfulness. Vous avez besoin d'un cœur fidèle. Very important. C'est très important. A faithful heart. Un cœur fidèle. It's a heart that is loyal. C'est un cœur loyal. Amen. Amen. The word faithful means to be loyal and to be steadfast. Le mot fidèle veut dire d'être loyal et d'être inébranlable. Inébranlable. Amen. Amen. God is seeking for people who are faithful. Dieu veut des personnes qui sont fidèles. Faithful is very important. C'est très important. You see, as I'm going, I'm coming, I still see the same face. That is a sign of faithfulness. À chaque fois que je viens dans cette église, je vois les mêmes personnes. C'est un signe de fidélité. Faithfulness is loyalty. La fidélité, c'est la loyauté. Amen. To be a member of a church, we call you are a fidèle. And fidèle means you are faithful. Être membre d'une église, on appelle ça un fidèle. We call you a faithful member. On dit un membre fidèle. What makes you a member of a church is your faithfulness. Qu'est-ce qui vous fait être membre d'une église, c'est votre fidélité. What does that mean? Qu'est-ce que cela veut dire? Loyal and steadfast. La loyauté et l'inébranlabilité. Inébranlabilité, ça se dit, non? Ça se dit. Okay, steadfastness. So, what is steadfastness? Qu'est-ce que l'inébranlabilité veut dire? It means somebody who doesn't shake. C'est une personne qui bouge pas, qui reste ferme. C'est ça. Qui reste quoi? Dieu cherche quoi? La fermeté. C'est pas quelqu'un qui a un pied ici et un pied là-bas. Un pied en Christ, un pied dans le monde. Il n'est pas ferme. God wants you to be firm. Dieu veut que vous soyez ferme. So steadfastness means to stand firm. It's two words brought together in English. Steadfast, stand firm. Rester firm. Rester firm. Do you know when steadfastness is required? Vous savez quand elle est la, être ferme est demandé quand? It's when storms are blowing. C'est quand les pierres. Storms, the tempête. Les tempêtes arrivent. So there are people when storms blow, they change. Quand la tempête souffle, vous voyez qu'il y a des gens qui changent. But a ship, storms blow on the sea, but it remains firm. Un bateau reste ferme quand il y a la tempête. It can wobble, but it's still firm. Il peut tanguer, mais il reste ferme. Amen. Amen. God wants you to be. Dieu veut que nous soyons fermes. In spite of all the troubles that you're going through, God wants you to be firm. Malgré tous les troubles, les turbulences que nous traversons, Dieu veut que nous soyons fermes. How do you become firm? Comment devenons-nous fermes? To have trust in Him. Il faut avoir la confiance. When you trust in Him, il faut croire en lui. Anything that happens, toute chose qui arrive, they don't shake you. Vous ne bougez pas, vous restez ferme. Your heart is firm. Votre cœur est ferme. That's also another quality. Ça, c'est une autre qualité. And the other quality is loyalty. Et l'autre qualité, la loyauté. Loyalty means. La loyauté veut dire. Remaining, paying allegiance to a person, an idea. C'est prêter allégeance à une personne, à une idée. Amen. Amen. That means that me, I'm for this. Ça veut dire moi, je fais ça. I am NDC. Je suis NDC. Je suis à droite. Je suis à droite. Et non pas à gauche. So everywhere you go, et à chaque fois où vous allez, declare your stand. Vous devez déclarer vos standards. Yes. I am a Christian.
Je suis un chrétien. And I stand for Christian values. Je me tiens pour les valeurs chrétiennes. When you declare that I am for this, quand vous déclarez cela, no enemy can come and disturb you with that because you know that this person don't go there at all. Et aucun ennemi peut venir vous déranger parce que il connaît votre droiture. All these things are decisions that we make in our heart. Et toutes ces décisions sont prises dans nos cœurs. And when we make those decisions and we have a heart that is humble, a heart that is faithful, a heart that is obedient and humble. Quand nous avons un cœur obéissant, et humble et loyal, God says that this is the man I'm looking for. Et Dieu dit c'est l'homme que je cherche. Can you imagine God entrust something in your hand and you are very feeble and weak? Imaginez que Dieu met quelque chose dans vos mains et vous êtes faible. The moment storms come, you throw the thing away. You say, me? No. This is why Peter wept when c'est comme ça que he Peter denied a Jesus Christ. A dénié Jésus Christ. Voilà, il était triste parce que le moment où il fallait rester ferme, il a dit, je ne connais pas, parce qu'il avait peur. Il dit, moi. The girl started looking at Peter like this. On a commencé à regarder Pierre comme cela. And then when Peter raised his eyes, saw the girl. Quand Pierre a vu la femme. The moment he saw the girl eye to eye. Quand il a regardé la fille dans les yeux. He removed his eyes. Il a changé sa dévié ses yeux. Then he tried to steal his eye to see. But the girl is still watching. Il voulait voir si la fille elle le regardait toujours. And the girl was like. Et la femme insistait. She said, I think I know you. Elle lui a dit, je crois que je te connais. She said, quitte là-bas. Why? He was afraid. Parce qu'il était, il avait peur. He didn't want to declare his stand. He didn't want to declare his stand. Il voulait pas sa position. Voilà. We are living in a time where you have to declare your stand. Nous vivons dans un temps où vous devez déclarer votre position. If you don't declare your stand properly, si vous déclarez pas vos positions clairement, tu seras envahi. Yes, you'll be invaded. You'll be invaded. Vous serez envahi. But we want to thank God. Mais nous voulons remercier le Seigneur. That every time we come into the house of the Lord, à chaque fois que nous venons dans la maison du Seigneur, His word is preparing your heart. Que sa parole prépare nos cœurs. So this word that came is not to judge you that you are a bad person. Cette parole ne vient pas vous dire que vous êtes une mauvaise personne. It's trying to just use the word of God to soften your heart. C'est juste pour ça, cela vous permet de rendre plus soft. Allow votre the word cœur. Of God to give you a good heart. Permettez la parole de Dieu de vous donner un bon cœur. The reason why I flow so much with pastor is that I know that I don't want him to die before I give a tribute, but I know that he is a man of a good heart. Pourquoi avec le pasteur nous avons une bonne connexion, c'est parce que je sais que c'est un homme avec un bon cœur. You can only walk with a person when your heart speaks heart to heart. Vous pouvez marcher avec une personne que quand vos deux cœurs parlent ensemble. And even in human beings, we are looking for someone with a good heart. We don't want a hypocrite. Même en tant que humain, nous voulons une personne marcher avec une personne avec un bon cœur. Quelqu'un qui a le cœur vrai. Amen. On ne veut pas un hypocrite. On ne veut pas quelqu'un qui sourit comme ça. Bonjour. But the heart, you don't know what's going on in the heart. Vous ne savez pas ce qui se passe dans son cœur. How much more God? God is also looking for your heart. Dieu recherche aussi votre cœur. So work on your heart. Donc travaillez sur vos cœurs. Above every other thing else. Au-delà de toute autre chose. You work on your hair every day. Vous travaillez dans votre tête tous les jours. You work on your hair. Ah, vous travaillez vos cheveux tous les jours. And it's so nice, black. Amen. Merci. Amen. You work on your dress that you wear. Vous travaillez sur vos vêtements. But today, mais aujourd'hui, I came to tell you, je viens vous dire, allow the work of God, word of God to work on your heart. Je veux que la parole de Dieu travaille dans vos cœurs. Amen. In Jesus' name. Amen. Amen. Let's be on our feet. Levez-vous. Amen. Clap for Jesus, clap for Jesus, clap for Jesus, clap for Jesus. Amen. 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 Maybe you are here. Peut-être vous êtes ici. Somebody has done you something. Quelqu'un vous a fait quelque chose. And
it's caused a lot of pain in your life. Ça vous rend malheureux, ça vous fait beaucoup de mal. Things are very tough for you. C'est des choses très dures pour vous. Difficult to forgive something. C'est très difficile pour vous de pardonner. There might be bitterness in your heart. Il y a de l'amertume dans votre cœur. You don't want to trust anybody anymore. Vous voulez plus croire en des personnes. I came to tell you. Je viens vous dire that a heart of bitterness would make your life bitter. Un cœur d'amertume va vous rendre votre vie. We're going to pray right now. There is grace for forgiveness. Il y a la grâce pour le pardon. There is grace, divine strength. Il y a la force divine to help you. Pour vous aider. To overcome any challenge that is with regards to your heart. Afin de traverser tous les challenges qui vont arriver. You know, every morning you have to clean your heart. Tous les matins, vous devez nettoyer votre cœur. So that you can start the day on a bright note. Et afin que vous pouvez commencer la journée dans un bon mood. When the heart is heavy, quand le cœur est lourd, the whole day is heavy. Toute la journée est lourde. But when your heart is light, quand votre cœur est léger, you walk in joy. Vous travaillez dans la joie. And today, the presence of God is present right here. Et aujourd'hui, la présence de Dieu est parmi nous. To repair any brokenheartedness. Afin de réparer tout cœur cassé. Say with me, in the name of Jesus. Dites avec moi dans le nom de Jésus. Father, I thank you for your word. Dieu, je viens pour ta parole. Thank you for my heart. Je te remercie pour mon cœur. Thank you that your word is healing any pain in my heart. Je te remercie que ta parole nettoie tout. I believe your grace. Je crois en ta grâce. I believe your grace. Je crois en ta grâce. I believe your grace is present. Je crois que ta grâce est parmi nous. Based on your grace that is present, I receive healing of my heart. La guérison de mon cœur. May your heart be healed right now in Jesus' name. Let every pain that is in your heart receive healing in your heart right now. Any heart that is heavy, I declare that you would rejoice in the Lord your God. Any heart that is weak, I declare that you will be able to stand firm today. Any storms that are blowing in your life that is meant to weaken you, I declare that your heart has been strengthened by this message. You are going to stand through the storm and you're going to come out victorious. In the name of Jesus Christ, the Lord is with you. The Lord is your strength. He's going to take you through. In the name of Jesus Christ, I pray that your heart will become a heart of the Spirit of God. It will be the dwelling place of the Most High, that you'll be able to do what God wants you to do. May you fulfill all the divine will. Que tu puisses accomplir la volonté divine de Dieu en ce qui concerne ta vie. Au nom puissant de Jésus. Amen et Amen. Acclamons le Seigneur.